Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Eric pour la suite du Wokfu Live de Resident Evil, toujours dans notre manoir en compagnie de Jill Valentine. Nous allons aujourd'hui essayer de récupérer la clé armure, enfin, du moins je pense qu'il s'agit de la clé armure qui se trouve au premier étage du manoir, puisque d'après l'exploration que j'ai faite jusqu'à présent, on est bloqué sur toute la partie droite du manoir. Donc écoutez, on n'a pas trop le choix, je vais essayer de d'avancer sur la partie gauche dans cette vidéo. Alors c'est vrai qu'il y a toujours le code de notre... Le code. Le cadavre de notre camarade. Ok. Alors le souci, comme je vous l'avais précisé à la fin de la vidéo précédente, c'est que je n'ai plus de vie. Donc il va falloir que je récupère des herbes vertes. Le souci... c'est que ici je vais récupérer toutes les herbes déjà. Donc je sais pas, je pense pas du tout qu'elles réapparaissent. Voilà, c'est pas le cas. Donc il faudra que je fasse vraiment gaffe aux ennemis parce que s'il y en a qui pop à l'improviste, je suis quasiment sûr de crever. Surtout que j'ai plus beaucoup de balles. C'est vraiment la dèche. J'ai plein de trucs qui me servent à rien. C'est beau. Ah, c'est vrai que j'ai aussi le sifflet pour chien, donc ça je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Je sais pas s'il faut l'utiliser au moment justement où on a un chien à proximité. Mais à vrai dire, j'ai tellement été surpris là dans la vidéo précédente par les chiens que ça m'est même pas venu à l'idée d'utiliser le sifflet. Alors, y'a pas un truc là dans le coin, non? J'entends des cris au fond, ça me rassure pas du tout. Alors là, c'est vrai qu'il y a les zombies, putain, il y a des zombies ici, comment je vais faire? Comment je vais faire? Bon, lui déjà, il était mort. Alors, où suis-je déjà? Non, c'est pas cette porte. Je vais essayer d'emprunter celle qui est dans ce couloir-là. Celle-ci. Bon, c'est verrouillé de l'autre côté, déjà, je peux rien faire. Je suis déjà content que les zombies se relèvent pas. Ça m'aurait pas arrangé que le contraire arrive. Ça sert à quoi toutes ces lances? Ça ne sert à rien. Alors là il y a une statue. Une statue complètement défigurée. Ouais. Ça ne sert à rien non plus. Ok. Donc ah oui, ici il y avait une porte fermée. C'était celle-ci d'ailleurs. Ah mais c'est de l'autre côté qu'elle est verrouillée encore, mais... Comment je fais ici? Je suis bloqué partout. Donc, je vais juste vérifier. En passant celle-ci, il y a aussi une porte rouge juste à côté. Et si c'est bloqué, ben, on montera au deuxième étage pour récupérer la clé. Pour essayer de choper la clé. Voilà, celle-ci. Ah voilà, j'ai ouvert celle-ci. Bah si j'en ai plus besoin, oui, autant le jeter, au moins ça me fait gagner une place dans mon inventaire. Parfait, donc on va accéder à un nouvel endroit. Voyons. D'accord, il va y avoir un escalier. Ah bah on va justement pouvoir retourner au rez-de-chaussée dans des salles qu'on n'a pas encore visitées, ça c'est cool. Enfin c'est cool. C'est plutôt angoissant à vrai dire. Alors attendez. Ouais, est-ce que je peux passer par là? Le crochet de serrurier. D'accord. Peut-être pas y aller tout de suite, je vais juste un peu regarder les alentours. Alors on a un escalier. Oh putain, il y a un zombie qui monte. Il y a un mort-vivant dans l'escalier. Ah putain, il y en a un là. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je vais crever. J'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Je vais mourir. Tourne-toi. Putain. Au secours. J'ai plus de vie, j'ai plus de munitions. Je peux plus rien faire. Il faut vite que j'aille dans la salle là. En espérant qu'il y ait de quoi me régénérer. Oh là là. C'est chaud. Ah, alors attendez, est-ce que c'est vraiment une plante verte ça? Les herbes vertes poussent ici, mais il n'y en a pas beaucoup.
Vu dans l'état où je suis, ouais, je préfère quand même les utiliser. Donc voyons, ouais, je récupère ma santé, déjà c'est un bon point. Par contre, sans munitions, c'est mort aussi. Je vais pas pouvoir esquiver indéfiniment mes adversaires. Un vitrail. Le motif au centre semble représenter une sorcière. Rassuré ici. Alors attendez, je regarde le plan. Ah, c'est pas mal. Il y a une espèce de petite terrasse. Ah, c'est bien fait, franchement, c'est beau, putain. Je dis pas ça parce que j'ai pas l'habitude de la next-gen, mais ça me fait halluciner quand même que ce jeu date de 2002. Alors, une sorte de plante à épines que vous n'avez jamais vue auparavant. S'en fout. Il y a un pot là. Pour rien faire avec. Si je passe par là. Pas grand chose par ici. J'ai pas oublié un truc sur la terrasse là. Il n'y avait pas un truc qui brillait. J'ai pas très bien vu. Ça c'est quoi? Oh non, il n'y a rien au sol en fait. Mais pourquoi ils mettent une salle aussi grande où il n'y a rien dedans? J'ai besoin de munitions, moi. Alors, par ici, je vais retomber où? Au premier étage, d'accord, c'était à la porte fermée. Ça ne m'arrange pas tout ça. Non, mais il me faut vraiment des munitions, là. J'ai ouvert la serrure. Ça veut dire que je peux la réemprunter après? Alors bon, à notre stade, je vois pas d'autre moyen que de retourner à la malle pour aller choper les munitions que j'ai mis en réserve. Et de déposer le fusil à pompe accessoirement parce que là il me prend de la place pour rien. Quoique, je suis de la... Ah non! J'ai une place supplémentaire pour le... Ouais, je vais déposer aussi les grenades. Bon, ce que je vais faire, c'est que je fais une petite coupure ici, on se retrouve au même endroit une fois que j'aurai récupéré mes... Mes munitions. Allez, tout de suite. Allez, de retour dans le hall. On va poursuivre. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mes munitions. J'en avais 67, donc j'en ai récupéré 15 pour mon pistolet. Directement équipé. J'ai récupéré une petite plante verte qui traînait juste à côté de la save. De la malle. J'ai récupéré mon couteau de survie, comme ça si j'ai plus de balles, je pourrais toujours me défendre. J'avais complètement oublié que j'avais mon couteau. Un couteau de survie léger de taille moyenne. Il s'agit de l'arme de protection personnelle de Jill qu'elle utilise en combat rapproché. Je suppose qu'il n'y a pas de truc particulier à voir quand on l'examine. Je vais garder le briquet, le truc pour le chien. Au cas où, j'ai enlevé le réservoir. Bon, je ne connais pas encore l'utilité. Enfin si, le réservoir c'était pour incinérer, je crois, les zombies, justement, pour les tuer définitivement. Sauf que... J'en vois pas trop l'utilité pour le moment, parce que les zombies qu'on a tués vraiment, qui restent au sol, même s'ils disparaissent pas, mais ils nous réattaquent pas, donc... Autant les laisser par terre, hein. Alors à moins que... Que le fait de le laisser... inepte sur le sol, ça les fait revivre plus tard, je n'en sais rien. Désolé si j'ai un peu du mal à parler, là je suis concentré. C'est pas forcément évident de parler durant ce walkthrough parce que même s'il se passe pas grand chose, je dois sans cesse réfléchir. En fait, je dois plus réfléchir à ce que je dois faire plutôt qu'à ce que je dois dire. Donc du coup, je vous parle, mais je réfléchis pas trop à ce que je dis. Donc du coup, je parle par intermittence. Je sais pas trop de quoi je vous parle d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fout lui? Il m'a même pas remarqué. Ah non, énorme quoi. Il m'avait même pas vu. Alors, est-ce que celle-ci, je peux l'ouvrir? Non, c'est verrouillé, l'emblème du casque, d'accord. Ah putain, putain. C'est au sol. Voilà, celle-ci par contre j'ai ouvert la serrure. Il va se relever donc vite on va se casser. Putain, il est là lui. Crève.
Oh. Ça, c'était déjà présent. Enfin, c'était présent aussi dans... Ça a été repris plus tôt, parce qu'il est sorti après. Dans Resident Evil 4, hein, le crâne qui explose. D'ailleurs, c'était encore plus gore dans Resident Evil 4, parce qu'il y avait des espèces de plantes, là. Je sais pas comment on pourrait décrire ça, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Une espèce de végétal qui sortait de son cou, là. Oh, c'était dégueu. Alors, il n'y a que des produits de nettoyage à l'intérieur, l'odeur est assez désagréable. D'accord. Attendez, je vais prendre mon souffle, parce que si la vitre explose, je vais encore sursauter. Bon, c'est bon. Où suis-je? Ah, mais je suis revenu justement au rez-de-chaussée, d'accord. On va pouvoir explorer cette partie-là. Alors, je vais d'abord retourner, puisqu'il y avait un cul-de-sac. Une porte qui ne menait à rien du tout. Je préfère aller voir ce qu'il y a à l'intérieur si je peux y aller tout de suite. Juste à côté de l'escalier. Voilà, c'est par ici. Les caisses de bois, elles sont couvertes de sang. On dirait que celui-ci est mort depuis quelques heures. Voilà, je peux passer par là. J'espère que c'est une salle de sauvegarde avec une malle. Ah, mais je crois que j'ai raison. C'est bien une machine à écrire. Un lit qui a bien servi. Qu'est-ce que c'est que ça? Les plusieurs types de sérum, la plupart ont une teinte douteuse. Ouais. Passons les sérums. Ah, parfait, il y a une malle encore. Alors, bah, ça servait à rien en fait que je fasse le ménage tout à l'heure, puisqu'il y en a un autre ici. Mais bon, ça revient au même, c'est pas grave. Un mélange d'herbes. Le désherbant et le joyau bleu aussi, je sais pas à quoi il sert. Et la double plaque en bois non plus. Bon, de toute façon, si on doit les utiliser, on aura juste à revenir ici pour les... Voilà. Si on doit en faire usage, donc c'est pas très grave. Ok. Mais j'ai pas envie de sauvegarder maintenant, puisqu'il nous reste un peu de temps, et j'ai plus qu'un... J'ai plus qu'un seul ruban encreur. Alors, faut juste prier que ma GameCube ne plante pas maintenant. Vous avez remarqué qu'en fait, entre chaque plan de caméra, il y a une espèce de micro-coupure hein, qui s'opère entre les plans de caméra. Parce que voilà, vu la réalisation du jeu, on se doute que la GameCube, ça l'a fait quand même tourner à plein régime. Hein, donc, c'est normal qu'il y ait des petits temps de rechargement entre chaque salle et entre chaque plan de caméra. Ce que j'aime bien, c'est que chaque porte est différente. Hein. Elles ont tout un aspect assez original. C'est bien sombre. Ah oui! Oui, je veux. Trois d'un coup encore? Ouais, j'en ai quatre. Parfait. Moi, je pourrais sauvegarder à la fin de la vidéo à côté. Il reste encore plein de kérosène. Ouais, pour remplir le réservoir. Il y a un truc rouge. C'est quoi ça? Fusil cassé? À quoi ça sert? On avait déjà un fusil opérationnel de l'autre côté. Vieux meuble. Alors, l'eau de pile. Ah! Ça c'est peut-être pour l'alimentation du sous-sol. Hein? Équipé. Pistolet étourdissant? Oula! Attendez, examinez. Ah oui, c'est les piles en fait, ça m'a mis une espèce de bonus pour mon pistolet. Une arme d'autodéfense, elle vous permettra de vous protéger d'un assaillant en le désorientant momentanément. Ah, c'est pas mal. Ok, bah c'est génial même. Ça me sera bien utile, bon, c'est déjà équipé. Je vais juste remettre, voilà, mes munitions à fond. Bof, le fusil, je sais pas, enfin... Ouais. On peut toujours le prendre, hein, puisque de toute façon il y a la malle à côté, au pire on le déposera. Il y a peut-être un truc caché si on l'examine, donc voilà, on va pas laisser les objets comme ça. Fusil cassé. Impossible de tirer avec ce fusil cassé. Peut-être existe-t-il une autre façon de s'en servir. Ouais. Peut-être pour ouvrir une porte cassée. Ça peut servir de levier en même temps, je sais pas moi. On verra bien.
Il n'y a rien de plus ici, ok. On ressort. Oh, ça va, il n'y a pas trop de zombies pour le moment. Je veux dire, on en a eu deux tout à l'heure, mais... Honnêtement, je pensais que pendant tout le jeu, on allait être envahi de zombies dans toutes les pièces, dans tous les couloirs. En fait, c'est plutôt calme. Mais tant mieux, en fait, parce que, voilà, justement, chaque apparition de zombies, ça fait encore plus flipper. Sachant qu'ils sont plus rares. Donc, je suis un peu bloqué, là, à vrai dire, parce que j'ai plein d'objets, mais je suis sûr qu'il faut faire quelque chose avec, mais j'ignore quoi. Donc, c'est un peu chaud. Donc, le seul truc que je pourrais faire, c'est d'aller au deuxième étage récupérer la clé. Mais, ouais. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Quoique, attendez, ouais. J'ai sauvegardé quand même avant. Vu que maintenant j'ai 4 rubans encreurs. Je préfère sauvegarder maintenant parce que si je tombe dans le piège, il faudra que je refasse tout. Ouais. Alors, c'était celle-ci. On écrase. Vous avez vu, il y a le numéro de la save qui s'affiche. C'est le nombre de saves qu'on a fait depuis le départ, donc c'est ma sixième déjà. Je suis plutôt prudent de ce point de vue-là. Enfin, c'est surtout parce que ma GameCube peut planter à tout moment. Il faut aussi que j'anticipe les fins de vidéo, donc c'est pas forcément évident. Alors, on remonte donc. Est-ce que celui-là est toujours dead? Bon, je sais pas ce qu'il fout, il va peut-être se relever. Non. On passe quand même. Donc en route pour le deuxième étage. J'essaie de comprendre comment on fait pour se débarrasser, enfin se débloquer du piège mortel auquel on est confronté en récupérant la clé. Vous allez voir, hein, parce que c'est vrai que je voulais pas encore vous montrer, mais je l'avais fait avec Chris en fait. Ah, j'avais un joli game over. Peut-être justement que le fusil cassé va nous permettre de nous tirer de ce mauvais pas. Ah, vous voyez, regardez les pics là, de toute façon. C'est évident, ouais. Il y a ça en fait qui va se déplacer le long du rail ici. Vous voyez une espèce de rail au sol. Bah, le truc va se déplacer. Voilà, après il va arriver jusqu'à nous par là quoi. Pour nous écraser. Il y en a un autre de ce côté-ci. Voilà. Alors, juste un truc, je vérifie cette porte. C'est verrouillé, c'est le casque. Ok. Donc de toute façon cette clé c'est soit le casque soit l'armure. Alors, bah, c'est parti. Alors, que celui qui s'emparera de cet emblème trouve la paix dans la mort. Donc il s'agit... Oh mais c'est vrai que j'ai tous mes trucs, putain. Mais quel abruti, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Bon. Tant pis, tant pis. Je suis obligé d'utiliser ça. J'ai la flemme de revenir à la malle. Allez, il s'agit de la clé du manoir, d'accord, je sais pas si c'est pour l'armure ou pour la truc. Mais le piège, dans tous les cas, se déclenche. Voilà, évidemment, je peux pas fuir et le machin arrive. Alors là, je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Voyons, il y a un renfoncement au milieu de l'estrade. Un emblème en forme d'armure y est gravé. C'était peut-être l'emblème que j'ai laissé dans la malle qu'il faut utiliser, non c'est absolument rien. J'utilise la clé que je la remets. Ça stoppe le piège, mais oui, mais du coup ça sert à rien. Attendez, attendez, attendez. Le truc sur... Ah merde, je me suis fait toucher, non? C'est bon, j'ai toute ma vie. Comment on peut éviter ce truc? Le briquet, le sifflet. Bon, écoutez, je vais essayer le sifflet. De toute façon, je vais essayer les objets que j'ai, je veux dire.
J'ai pas d'autre choix que d'essayer ce que j'ai, puis si je peux rien faire, mais je remets la clé, tant pis, j'irai chercher d'autres objets. Je veux comprendre comment on part ce piège. Donc l'autre arrive sur nous. On va essayer d'utiliser le sifflet. Ça sert à rien. Le briquet, forcément ça sert à rien non plus. Si j'essaie de tirer. Il est où le machin? Il est là. Ça sert à rien. Renforcement des deux. Bon. Le fusil cassé, ça sert à rien. Le couteau. Non, celui-là, je me suis équipé, ça sert à rien non plus, je pense. Bon, écoutez, je remets la clé. Je remets la clé, je crois que ça a bugué. Non, c'est bon. Je crois que ça allait planter. Bonne recherche. Infructueuse, je cherchais le mot. Donc bon, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je vais pas sauvegarder puisque je suis venu ici, ça sert à rien. Donc la prochaine fois, on se retrouve à côté de la save. Je vais prendre d'autres objets, on va essayer de réfléchir pour essayer de comprendre comment on peut sortir d'ici en récupérant la clé. Parce que sans cette clé, je pense que je ne peux pas progresser. La mort est la réponse. Sympathique, j'aime bien. Donc voilà, ben je vous laisse ici, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour la suite. Si vous avez enfin, si vous connaissez le jeu, ne me dites pas la réponse directement, mais si, je sais pas si vous avez, si vous trouvez des indices, vous pouvez les inscrire dans les commentaires, mais ne me dites pas direct la solution, quoi. J'ai pas envie de d'être spoilé à ce niveau-là. Donc voilà, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour la suite de Resident Evil.